Salut. Bonjour. Salut. Oh, ce bordel sur l'autoroute, putain. Ah, j'ai pas fait gaffe. Ça, c'était quel magazine déjà? Je n'ai aucune idée, en fait. Je sais pas, mais... Et c'est quand qu'on commence? Ouais. Vous me rappelez quelqu'un, vous, avec votre capuche, là? Ça va, votre voix? Enfin, vous êtes un peu enrouée, là, non? Vous avez pas chaud, là? Excusez-moi, hein, mais je vous vois avec toutes ces couches, là. Et pourquoi, maintenant, vous vous approchez de nous avec cette bouteille de chloroforme et ce mouchoir imbibé de chloroforme? Bonjour, petit Bartan. On va jouer à un jeu. Cache-cache? Non. Ah, Twister? Non. Ou Chante-Sloubi? Mais non. Ou au docteur? Je pensais à quelque chose de beaucoup plus... mortel. Ah ouais, merci gros, hein. Merci pour les fringues parce que... Je caillais un peu les miches quand même là. Je vous en prie. Par contre, enculé, qu'est-ce qu'on fout là? Je vous ai enlevé! Oui, oui, je crois qu'on avait compris. Silence! Vous croyez malin, petit Bartan? Eh bien, sachez que vous êtes enfermé ici à jamais car il n'y a aucun échappatoire. Cette ruine sera votre tombeau. Putain de bordel de merde! Mais elle est où cette sortie? On se calme, on n'y arrivera pas comme ça de toute façon. Il y a trop de surface à couvrir là, faut qu'on se sépare. Ouais, ou pas en fait. Ouais, putain Seb, t'as jamais vu des films d'horreur? Alors Seb, moi j'aime pas ton idée. Mais là, pour ma part, j'en ai plein le cul. Alors, on va se séparer. Mel, Naoui, vous partez par là, d'accord? Et nous, avec Seb, on refait un tour derrière pour voir si on n'a pas oublié une sortie. D'accord? Ok? Allez, on y va! Bordel de cul! Ah, oh, ça, dégrossissage de la pièce. C'est sûr qu'on a bien dégrossi, hein? Non, en vrai, ça se passe bien. Je sais pas eux, mais pour ma part, super efficace. Super efficace. Bon ouais, c'est vrai qu'on était plutôt bien en vrai, hein. Puis on a fini l'acte 3, du coup c'est plutôt cool. Et puis moi j'ai super bien avancé, moi mon rôle. Oui mais c'est surtout le groupe entier, on marche tous très bien ensemble et du coup on a pu avancer très vite. Enfin c'était très bien, il y a une très bonne cohésion, tout le monde s'entend bien et, ouais, et du coup c'est cool. Ça se passe très bien. Ouais. C'est bon. Ah, j'espère qu'on va être bon, hein.
vraiment trop con. On n'aurait pas pu se douter que c'était une fausse interview. Putain, mais on pue vraiment du cul, quoi. Chier. Fais chier, fais chier, fais chier. 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 Ça doit être, hein. Qui commence? Vas-y, hein. T'as l'air pressé. Rachel, et c'est un super personnage que Léa a fait. C'est une petite partie courageuse qu'on a tous en nous. Et elle est forte, elle est battante, elle envoie du rock'n'roll. Moi, Marceline, je l'aime beaucoup. Au début, c'était un peu difficile, mais en fait, j'ai vite compris que j'avais un peu carte blanche. Avec Jackie, bah, c'est une grande histoire d'amour. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, comme une levrette et une fessée, quoi. Ça va ensemble, quoi, on est de pair. Jules, c'est très... oui, c'est un peu le timide, celui qui se cache, celui qui ose pas trop, mais à la fois romantique aussi. Ton personnage, il est super mignon. Léa m'a dit justement que ça me ressemblait un peu, du coup, bah, moi, personnellement, je l'ai pris très facilement, justement, mais parce que j'étais bien entouré aussi, enfin... Margot, elle joue super bien aussi, elle est rassurante, on est bien guidés. Enfin, en fait, tout, ça marche très très bien. Ouais, le groupe est génial. On a beaucoup d'énergie, je trouve. Ouais, aussi, puis oui. Les personnages commencent à bien apparaître, là, c'est vraiment bien. Allez, Seb. Seb. Johnny. Mais je crois qu'on va pas s'en sortir, Naoui. Mais t'inquiète, moi ça va aller. Même si je dois te sacrifier. Merci, c'est sympa. En tout cas, je crois que le gardien a raison. Il n'y a aucune issue. Je veux dire, on a cherché partout. On a fouillé toutes les pièces. On a tout essayé. On est monté en haut, on est descendu en bas. On a tout testé. On a tenté par les fenêtres. Aucune sortie. Tu te rends compte? Aucune. Quoi? Mais Naoui, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Je sais pas. Fuis pour ta vie, mais... Ok. C'est moi qui fais monter la pression. Oh ben la pression,
Moi, je dirais que c'est approximatif. Dans le sens où ben, on va être avec les copains, on va manger du saucisson, on va boire des bières, tout ça en répétition générale, quoi. On ne porte pas de choses tout seul sur ses épaules, en fait. On est tout le temps aidé, du coup, dès qu'on a besoin d'aide, dès qu'on a besoin de parler ou quoi que ce soit, on a toujours des gens pour nous. C'est des vrais copains, ça. Ouais. Oh mon Dieu! Mais vous êtes un personnage que nous n'avons encore jamais vu! Salaud! Tu cachais vraiment bien ton jeu! Non, Mel. Je ne suis pas celui que tu penses. Ah! Mon nom est Deus Ex. Je suis un émissaire envoyé par les anciens pour vous aider. Ah bah c'est trop cool ça! Mais pourquoi maintenant? Parce que vous pédalez sacrément dans la semoule, et c'est pas très pratique pour faire un couscous. Quoi? J'aime le monde. Si je suis ici, Mel, c'est pour faire avancer l'intrigue et te révéler l'identité du gardien. Et c'est qui? Oh putain! Ouais. Mais what? Ça explique tellement de choses. Sur ce papier, il y a l'emplacement de la boîte. Il faut que vous la récupériez. Faites-en bon usage, mais vite, car le temps presse. Mais moi je trouve que Léa, elle a un peu changé quand même. Mais non. Fais-moi confiance, on arrête de discuter, on fait. Elle a quelque chose de différent. On dirait pas vraiment la même personne. Oh, c'est bon, ça marche. Je m'appelle Mel. Je suis toute seule. Je suis la dernière. Ils ont tous disparu, tous les trois. Je sais la vérité concernant le gardien. Je sais qui il est. Mais comment on n'a pas pu le deviner? Je me calme. Le gardien, c'est... Léa?